Bonjour tout le monde, ici Pierre Pofficé pour un autre épisode de Borderlands, le pre-sequel. Donc, au dernier épisode, on a exploré cette énorme map, on a fait un couple de side quests, et là, on est en train de faire la quête principale, c'est-à-dire pas aller dans ce coin-là, mais il y a un Claptrap qui veut pas qu'on y aille, sauf pour, en gros, faire ce qu'il nous dit. Fait que là, on vient de le faire. On retourne le voir là. On va aller voir ça. L'initiation est presque terminée. J'ai envoyé sur ton système écho les coordonnées d'une autre entrée. Mais il y a une porte juste là. Ah ben, c'est que j'ai voulu régler les commandes, mais j'y ai coincé un truc. Ce qui fait que la porte ne marche pas pour le moment. Mais tu peux toujours passer par la porte latérale. Donne juste le mot de passe. Ar, je resterai là. Robot noble, bien que dangereux, solitaire, mystérieux et en mal d'amour. Ok. C'était pas là justement? Oh non, non, ok. Prudence, environnement à atmosphère nulle. Par là, faut que j'aille. Ça ressemble à ça, hein? Encore un membre de gang en devenir? T'as intérêt à connaître le mot de passe? Ah. Bordel, mais quel mot de passe de merde! Attends une seconde, ce con d'interrupteur est juste là! Et voilà! Utilise ça pour accéder à l'entrée secrète. Et bienvenue dans le gang! Est-ce qu'on a là, Rouge? Je sais pas, bidon, à toi de me dire. C'est pas une recrue, ça, tu peux me croire. C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il y a qu'une chose à faire. Préparer du thé. Ouais. Non, éclater des tronches, plutôt. C'est ce que je voulais dire. T'es bizarre. À l'attaque, les gars. Dans ça. Est-ce que je dans ça? Oh,
aux side quests? Nope. Balaf de la crise. C'est tout, je pense que ça va être une petite zone. C'est quand même pas si peu. Le lac de... Où je vais maintenant? Quelques petites zones encore. Bon. D'après moi, comme je dis, le jeu ne sera pas extrêmement long. La map là-bas. Probablement absolument rien. On va les voir quand même parce que ça a l'air bizarre. C'est un coffre caché, quelque chose de même. Ouais, absolument rien. Ok. Jamais eu le sens de l'orientation. Sarpedo ! Arrête un peu tes conneries ! Je veux bien comprendre que tu en veuilles à Hyperion, mais il y a des innocents sur Elpis ! Pauvre folle ! Oui, en effet. Ok, cette gonzesse est cinglée, il va falloir faire vite. On doit rejoindre Helios et reprendre le contrôle de l'œil. Mais on n'y arrivera pas tant que tu n'auras pas trouvé et neutralisé le brouilleur à Crisis Car. C'est qui ça? Pipo? C'est qui ça, Pipo? Un bâtard m'a piqué le portefeuille. Side quest, monsieur. Pipo a besoin que vous l'aidiez à retrouver une amie disparue. Bon, y a mon meilleur pote de tout l'univers qui a disparu. J'aurais bien besoin d'aide pour le retrouver. Je crois bien que c'était un gars. Ou alors, c'était une fille. Non, c'était bien un gars. Mais je sais plus comment elle s'appelait, par contre. Je sais juste qu'on l'appelait le Joyeux Swagger. Il était toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres et prêt à entonner une jolie chanson.
Mais il avait une voix de chiotte. Oh, j'avais les oreilles en sang. Elle allait souvent se balader un peu partout sur la Lune. Et puis quand elle revenait, elle nous bassinait avec tout ce qu'elle avait vu. Je sais pas trop où on l'a vue pour la dernière fois. Si tu pouvais la retrouver, il me doit un coup à boire. Trouver la joyeuse Swagger. C'est juste dans le fond, là. Tu sais quoi, c'est facile. Mais est-ce que c'est vraiment juste là où on voyageait partout dans la map? C'est ce qu'on se demande. Ah, la voilà! Et je crois qu'il dort. Tu crois qu'il dort? Oh, ben, regarde s'il a laissé un mot. Fais-lui les poches, ok? Ça va faire mal! J'aime pas ça, cette affaire. C'est une fille ou un gars? C'est un enregistrement écho. Peut-être qu'on va savoir ce qui lui est arrivé. T'en dis quoi? Oh, t'imagines même pas ce que j'ai vu. J'ai marché jusqu'à l'exil Vorago, et là, j'ai vu un lac géant. Un lac géant et vide, avec une lumière violette hyper brillante qui en sortait. Et j'ai entendu les prières silencieuses assourdissantes d'un peuple ancien qui résonnait dans ses profondeurs. Je suis resté à côté et j'ai chanté en regardant ma tambouille qui chauffait. Là, j'ai vu un mouton qui sautait. Alors je l'ai attrapé en riant et je l'ai fourré dans ma glacière. Mais quand je suis rentré de ces terres lointaines, je l'ai perdu pas loin d'ici. Je me suis fait attaquer par des dragons. Trouve-le, Pipo. Comme ça, tu sauras que je mentais pas. Consulte ton système écho. Bon, bah, je suis claqué. Je crois bien que je vais mourir. Ah, on est moins joyeux tout d'un coup. Je crois qu'il a attrapé un coup de lune, le pauvre. Il divaguait complètement. Il a dû perdre la boule à force de marcher comme ça. J'ai jamais entendu parler d'un lac vide et je sais même pas ce que c'est qu'un mouton. C'est une triste fin. Surtout qu'il me doit toujours un coup à boire. Enfin bon, et ça remettra? Je me demande où est cette glacière, du coup. Jette un œil, essaie de la trouver. Quoi? Ok, ça a l'air, on va continuer. Un mouton? Mais quelle pauvre folle! Elle aurait jamais dû aller si loin que l'exil Vorago. Personne revient jamais de là-bas avec toute sa tête. J'oserais jamais aller jusque-là, moi. C'est sûr qu'on peut aller par là? Peux-tu aller par là? Tellement d'endroits à visiter. Un type à buter. Peut-être que j'aille en bas, je sais pas. Ça mène où ça? Plein de tritons. Il y a quelque chose qui bloquait la porte, Lydia. Qu'est-ce qui bloquait la porte? Quand même. Il n'y aura pas tant de choses à faire ça. Honnêtement.
Jamais eu le sens de l'orientation. Énormément. Ok, la glacière devrait être à quelque part ici, en dessous. Là, c'est sa glacière. Tire, tire, tue les dragons. Il va falloir que je me trouve des balles ou d'autres guns, quelque chose. Parce que là, ça va pas tout à fait longtemps mon affaire si je fais ça. La glacière. Rapporter la glacière à Pipo. Comment je fais pour monter là? C'est bien beau. Faut-tu que j'aille par là? Labs, on va aller sur ça. On va aller voir ça.
pense pas, en effet. Ah, par là. Non, mais je m'en fous, en fait. Je viens de trouver ça. C'est mon meilleur pote qui me l'a envoyé. C'est sa glacière. Et apparemment, il y a un mouton à l'intérieur. Ça existe même pas, les moutons. Oh, oh, c'est un mouton. Ça existe vraiment. Je crois qu'il me prend pour sa mère. Il est couillon. On se ressemble pas du tout. Tu crois que ça veut dire qu'il y a vraiment un lac quelque part? Un lac géant et vide, avec une lumière violette hyper brillante qui en sort, et les prières silencieuses assourdissantes d'un peuple ancien qui résonne dans ses profondeurs? Non! Mais merci du coup de main. Je vois comment t'as, je peux t'as fait. Cette histoire de lumière violette ont l'air de plus en plus crédible, vous ne trouvez pas? À moins qu'il y ait un trou violet géant autour d'un rayon de lumière. Tu crois que le petit gars veut boire un coup? Et où mon autre chapeau? De l'air! Attention, atmosphère détectée. Fait que c'est juste ça la map. Ok, fait que là, il faut que j'aille trouver l'origine du signal. Let's go. Prudence, aucune atmosphère. Hey, cette affaire-là, là, le gosse. Trouver l'origine du signal. Prochain boss, je pense notre deuxième boss en fait. Ben, troisième parce que le premier, je pense qu'il comptait pour un boss.
Intéressant sur ça. Ça marchait. Poste électrique. Dégaine ton arme.
boss doit être après ça. Tu as acheté quelque chose à Nina? Parfois, je lis les ennemis. Nina s'occupait de ça. Évitons. Oui, la plupart de ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers malchanceux. À très bientôt! Si tu achètes ailleurs, je te fais assassiner! C'est bon. Toujours un plaisir. Passe le mot. Munition Marcus. Oublie pas, on est toujours ouvert. J'ai pas d'autre emplacement, j'ai hâte d'avoir un troisième gun. Ok, let's go. Enfin, un vrai beau combat. Ok, je viens de manger. Mais ça va swinguer! Bidon rouge là. C'est toi que je veux, mon grand. Je vais jouer au foot avec ta tête. On fait dans la légende. On voit un bateau. Alors, ouais, d'autres ennemis vont popper. Ça suffit, j'y vais tout seul. Oh my god, thank you. Je vais te trouver comme une passoire. J'espère que le plaisir fut partagé. Je m'étais pas senti aussi bien depuis la mort de ma mère. De la voir. Hop, j'ai fait un level up. Je suis rendu quoi, niveau 10? Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche, mais je pense que je vais faire ça. Immunise contre les dégâts de glace. C'est très bon, mais ça va pas qu'est-ce que j'ai acheté.
Ah, génial, c'est cassé. Monte sur le toit, tu devrais y trouver une console de maintenance. Active-la. Géant, t'as complètement perdu la boule, c'est ça? Super, détruis tous les relais, ça devrait couper le signal une bonne fois pour toutes. Les relais, relais. Sécurité, on a le voyage éclair. Horloge, bidon. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le signal de contrôle vient de lâcher. C'était qui, ça? On dirait ce connard de Mérif. Une petite minute, t'es ni rouge, ni bidon. Oh mince. Le Mérif travaillait pour Sarpedon depuis le début. Ah! Je te retrouve à Concordia. Faut qu'on ait une petite conversation avec ce type. Une conversation du genre rigolote? Ou plutôt rasoir? Calme, on lui fera rien tant qu'on saura pas exactement ce qui se passe.
gros, cette zone-là est faite. En plus, j'ai une nouvelle couleur. Ok. Parts du véhicule déverrouillé. On est à Concordia. Oh, désolé. Au garde, tu peux passer la sécurité. Ensuite, retrouve-moi à l'arrivée du voyage éclair. J'ai trouvé plein de rushs. Merde, tu es où là? Oh, j'ai peut-être acheté. Bon, ça suffit. On va lui rendre une petite visite. Comme je t'ai dit, pas de violence. S'il a des infos, il faut qu'il soit conscient pour nous les donner. Il a suffisamment de mal à articuler comme ça. Moi, je veux bien, mais n'oublie pas que l'ascenseur du mérif est verrouillé. Qu'est-ce qu'on se marre ? J'ai un enregistrement du mérif qui fait des avances à Serena, la prise préférée du robot des douanes. Non, ça marchera jamais. Et si on faisait chanter le mérif avec cet enregistrement qu'on a de lui ? Bingo ! On va aller énerver un peu notre claptrap des douanes. Prépare-nous l'enregistrement, Moxie. Reviens par ici! La loi, c'est moi! La loi ne se trompe jamais! Hey! Le robot! Tu viens d'interrompre l'agent dans l'exercice de ses fonctions! On est venu déposer plainte. Ton super mérif enfreint la loi depuis un bon moment. Et on a des preuves. Il enfreint la loi? Et si tu me racontais un peu ça? Merci de ta plainte, citoyen. Je peux t'assurer qu'elle sera étudiée. Longue vie au mérif! Mox! Balance!
Bon sang, est-ce que t'es doué pour écouter les problèmes des gens? T'es sûr que je peux pas te demander tes services, disons, physiques? Oh, je bouillonne de stress en ce moment. J'aurais bien besoin d'un petit soulagement. Vous savez bien que les robots Geisha ne sont pas programmés pour ça. Serena, vraiment? Je suis ton mérif. Ce serait pour le bien public de Concordia, tu sais. Et puis, j'ai de quoi bien te payer. Je croule sous l'argent de Dal en ce moment. Le mérif interface avec ma Serena? Non! Quelle horrible trahison! Et d'après mes archives, il n'a même pas rempli les autorisations nécessaires pour pratiquer ce genre de... d'activité. Ce qui vient, d'une certaine manière, justifier moralement mon outrage. Génial! Et t'as tout mon soutien, l'ami. Il paraît qu'il a justement rendez-vous avec Serena en ce moment même. Quoi? Citoyen, ce n'était pas... enfin oui, on aurait dit ma voix, mais... non, c'est quelqu'un... quelqu'un qui m'a imité. Oh, je vous remercie de bien vouloir respecter ma vie privée, tandis que je traverse cette terrible épreuve. Merci. Merci beaucoup. Il déconne là ou quoi? Il est foutu! Comme il n'a pas de licence de fraternisation interorganique, je vais pouvoir faire de sa vie un enfer! Allez, l'ascenseur, en avant! Serena, mon amour, j'arrive! Voilà, je préfère ça. N'importe quoi. Et c'est parti! On veut voir le mérif! Sérieusement? Sale machine débile! Les bureaux sont en haut! Mais oui! Qu'est-ce que je suis drôle! Allez, on monte! Bureau du mérif. Ok, ça a l'air que c'est une map. Où je vais maintenant? J'ai l'impression que ça va être... Attention! Toute violation de propriété appartenant aux autorités sera punie d'une mort immédiate. Merci. C'est pas ça qui va nous arrêter, la fumeur! Pas de fichite aujourd'hui, désolé. La sortie se fait par la boutique de souvenirs. Hein. Vous avez vu ça? C'est maman que je préfère! Repos, hein? J'avais plein de roches, puis là j'en ai plus pas en tout. Agent, ouvre-moi cette porte! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de là-bas. Vas-y.
civile. Enfin, bon, comme de toute façon, j'allais le faire. Oh, on peut s'arranger, mange un coup. Je travaille pas vraiment pour Zarpedon. Buxter T. Meredith, je vous arrête pour avoir enfreint l'article 31-10 du code moral d'Elpis qui interdit les relations sans licence entre... Oh mon Dieu, tu m'as piqué ma meuf, sale ordure. Ouvre cette porte. Ah, Serena. Gagnant sur toute la ligne, c'est génial. Allons, en avant. Jack, oh, mon Jackie, fallait me dire que t'étais en ville. Le mérif, maire et shérif. Ça sonne mieux dans sa tête. J'ai retrouvé le signal qui brouillait nos systèmes sur Helios. Devine, il venait d'ici, de ton bureau. Le signal ? Le signal ! C'est elle qui m'a forcé. D'où est-ce qu'elle venait ? Je t'en prie, vas-y, mens un peu. J'ai vraiment envie que tu mens. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Rien du tout. Je voulais juste te faire peur. Allez, maintenant, tu dégages. J'ai bien réfléchi. Il y a un moyen de revenir sur Helios. Je me rends. J'allais te laisser la vie sauve, espèce de débile. Mais c'est quoi ton problème? Ouh, c'était... vivifiant. Ok. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, mon super plan de génie. Pour reprendre Helios par la force, il nous faut une armée. Alors, on n'a qu'à en fabriquer une. Va faire un tour chez Springs. Je t'expliquerai en route. Moi, je reste là, je vais fouiller dans les affaires du mérif. On va construire une super armée de robots. Ouais, génial, voilà ce qu'il nous faut. Un châssis de combat bien solide et une IA militaire ultra sophistiquée pour le faire marcher. Springs pourra nous aider pour l'IA. Et Moxie, tu sais où je pourrais assembler des super robots? Vu que ce laser géant va tuer... Bah, tout le monde. Je connais quelqu'un qui voudra bien t'aider à trouver du matériel. Laisse-moi le contacter, je te tiens au courant. Ok, ça me va. Allez hop, au boulot, on a une lune à sauver. Qu'est-ce que t'as pensé de Jack quand tu l'as rencontré, Lilith? En sachant que Moxie t'avait plaqué pour lui, j'ai pas aimé ce type. En même temps, t'aimes personne. J'aime bien Brick. Et bim! Ok. Ce laser commence un peu à me taper sur les nerfs. Merde. Oh. Oui. Et puis quoi encore? Oh. Oui. Ça perd une pompette. Faut que j'aille au petit coin. Mais si je me lève, il y a forcément un couillon qui va me prendre ma place. Allez voir Spring. La petite Moxie derrière son bar rit. Elle s'enfile gâteau et whisky. Quand arrive Jenny comme une petite souris, elle oublie l'idée d'avoir un jour un mari. Oh.
Oh god. Trois mots, armée de robots. Trois de plus de la bombe. Tout va bien? J'ai enfin rapporté toutes mes affaires. Bienvenue dans ma boutique, le supermarché des trucs et bidules. Non, j'ai pas trouvé plus précis. Moxie m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Vraiment désolé. Mais ta meilleure chance, c'est Pickle, un ami à moi qui vit dans les Outlands. Il est presque impossible à contacter, mais je peux t'aider. Prends cet encodeur. Bien, je t'envoie les coordonnées d'un vieux garage de dalle sur ton système Echo. Mets-toi en route, je vais t'expliquer. Trouver un Stingray, aller au garage des Stingray. Hein? Ok. On a des side quests. J'ai horreur de me paumer. En gros, on va voyager un peu partout. Moi, c'est des side quests. Je pense que Serenity Waste, c'est fini, ça. Sur les autres side quests. Oh god, il y en a partout. Il y en a partout. Merde, je suis où là? Ok, fait qu'on va retourner à Concordia. Et puis on va. Prendre la première side quest qu'on peut trouver. Je pense que c'est Nia qui nous la donne. Ouais, c'est elle. Ça, trop cher. Juste bon gâcher argent. J'ai travail. Toi à prendre? Urgence médicale. L'infirmière Nina a besoin de votre aide. Des trous dans la glace. Avoir gros problème. Réfrigérateur médical cassé. Les organes, les échantillons, mon dîner, tout va gâter. Avoir besoin, glace spéciale, conserver chose longtemps. Toi, chercher petite glace. Et moi, je payais toi. D'accord? J'aime pas trop le froid, mais l'argent, ça me réchauffe toujours. Oui, c'est bien! Tu prendre foreuse, allez. Foreuse, prendre, oui. Nina heureuse, prendre foreuse et rapporter glace. Se rendre dans le ravin, je l'ai. C'est où ça, sacrément? Nina doit être prudent, mais Nina pas rassurée quand même. Ok. Donc, prochain épisode, on va continuer les side quests. Et puis, on va continuer l'histoire si on réussit à. Bah, ben, on va avancer. C'est comme si. Le panneau de quête qui se trouve. Ok, elle est où ça, la décaille? La broyeuse de Spring est tragiquement décédée, pouvez-vous l'aider? Okay. Donc on fait ça une quête à la fois, on va réussir. Donc merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve une prochaine fois tout le monde. Bye bye.